industriel, innovation, recherche, renforcement des compétences, des talents. Évidemment, le groupe républicain ne peut que voter cette convention de partenariat qui est très importante et pertinente. Moi, je voulais simplement profiter de cette délibération pour vous évoquer un sujet, c'est la mobilisation des annonces remboursables. Vous savez qu'il peut être une agglomération jusqu'à maintenant pouvait intervenir auprès d'entreprises en difficulté avec des annonces remboursables. La région, où on perd le seulement à cette SR2I, ne veut plus qu'il peut être une agglomération face des annonces remboursables. Et donc, je voulais vous poser la question de savoir si vous entendez maintenir cette position. Alors, vous savez que parfois les agglomérations peuvent être communes, et puis les entreprises ont pu réagir. Et cette agglomération, je ne suis pas la seule, on a déjà fait cela, on a pu sauver les entreprises. Et je trouve dommage que la région nous enlève cette possibilité. Le dernier point, vous avez remis à l'agenda de la pauvreté de femmes dans notre petit collier et patronat de la région. Et moi, je suis surpris sur ce document qui est un tableau, les principales filières d'excellence. On parle de la convention de